Tu vends mon argent? Non, j'ai l'argent de pas vrai. Ne me frappe pas. Tu retiens l'argent des clients pour payer ta rançon? Non, j'ai la non, s'il vous plaît. Allô? Mademoiselle Leclerc? Soi-même. Commissaire Salva de la brigade criminelle. C'est à quel sujet? Voudriez-vous venir au commissariat? Oui. Quand dois-je y aller? Venez sans entendre, mademoiselle Leclerc. Voulez-vous que j'envoie une voiture? Oui. Ou plutôt non, j'ai mon auto. Ah, zut, je n'ai plus d'essence. Je prends le métro et j'arrive, monsieur le commissaire. Bien, à tout de suite, mademoiselle. Attendez, de quoi s'agit-il? Rien de grave, j'espère? Non, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Simple enquête de routine. Alors, bonjour, le commissaire de la criminelle veut me voir. Commissaire Chalois? Oui, Chalois, c'est ça. Mademoiselle Leclerc, asseyez-vous. Merci, monsieur. Connaissez-vous un certain Ignace Bellomé? Bellomé? Non, jamais encore. Vous êtes sûr? Certain. En ce moment, ta mère est à l'hôpital Marie-Madeleine. Son état est alarmant, mais ses jours ne sont pas en danger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi tout, monsieur. Elle a été battue par un sadique. Un sadique? Vous avez l'arrêté? Non, pas encore, mais ton témoignage est la plus haute importance. Je vous dirai tout, monsieur. Connaissez-vous un certain Gérard Bellomé? Oui, je l'ai rencontré une fois au Funicross. Il est le macaro de ma mère. Nous le connaissons, merci.